Bonjour, je suis Gloria Edzounsa, je suis vice-présidente du Cercle de réflexion congolais, de cercle congolais politique. Et on est un peu déçus au niveau des résultats, vu que Sassou a triché et que normalement il n'est pas censé gagner les élections, mais il s'est autoproclamé président et ça c'est inadmissible. Et je trouve que aucun autre pouvoir au monde n'a pu vivre ce que nous avons vécu. Il nous a plongé dans le noir afin de vraiment tricher. Il a montré au monde entier comme quoi que le Congo était un pays à la rigueur des gens malhonnêtes, hein, puisqu'il a été malhonnête. Et j'estime, et je pense, et j'espère qu'il ne sera pas reçu ni en France, ni aux États-Unis, parce qu'il ne représente pas le peuple congolais, il n'a pas été élu par le peuple congolais et il n'a pas à venir s'afficher en disant qu'il est le président des Congolais. Je pense qu'on trouvera le moyen, on trouvera le courage pour pouvoir manifester. Je pense que même si on manifeste, je pense que l'armée ne va pas tirer sur le peuple. Et je tiens à donner un message à l'armée. À mon sens, l'armée est là pour défendre un peuple, est là pour défendre un pays. Il n'est pas là pour se battre avec le peuple, parce que sinon je ne vois pas à quoi il sert. S'il est juste là pour dire comme quoi que c'est l'armée, il est là pour protéger sa population. Nous l'avons vu, ça a été fait, on a vu dans le monde ce qui s'est passé. L'armée a toujours été là pour défendre le peuple. Et je pense que l'armée ne va pas tirer sur le peuple.